Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon générateur de compte infini qui s'appelle AeryTales. C'est un logiciel exécutable créé avec Flat et ça permet de faire des interfaces graphiques assez facilement. Le code que j'ai utilisé pour créer ce logiciel, je l'ai quasiment fait moi-même et j'ai pas utilisé ChatGPT. Donc ça utilise une clé d'API complètement gratuite dont vous pouvez peut-être l'utiliser si vous arrivez à trouver la clé API. Mais sinon tout est gratuit donc il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit jusqu'à la fin de votre vie. Donc vous pouvez activer le mode auto-read et il va vous lire les comptes qu'on va choisir. Par exemple là il vous a choisi 5 comptes. Donc il a demandé à un modèle de langage de type Mixtral de trouver 5 comptes, puis il va vous raconter de manière personnalisée chaque compte que vous allez choisir. Par exemple, vous voulez choisir Cendrillon. Faut attendre un peu. Voilà, bon, ça a marché. Je suis ravie de pouvoir vous conter l'une des histoires de françaises les plus célèbres et les plus charmantes, Cendrillon, un conte de fées collecté par Charles Perrault. Il était une fois, dans un joli village, vivait une jeune fille d'une grande bonté et d'une grande beauté. Elle était aimée et choyée par sa défunte mère, mais quand celle-ci mourut, son père se remaria avec une femme vaniteuse et cruelle, qui avait deux filles aussi laides à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le père de la jeune fille partit en voyage d'affaires et décéda peu de temps après, la laissant seule avec sa marâtre et ses deux demi-sœurs. Celles-ci la traitèrent comme une domestique, la forçant à faire le ménage, la cuisine et toutes les tâches ménagères. Elle la surnommait Cendrillon, en raison de la suie qui salissait toujours ses vêtements. Un jour, le roi organisa un grand bal au château, et les deux sœurs de Cendrillon furent invitées, ainsi que toutes les jeunes filles du village. Cendrillon supplia sa marâtre de la laisser y assister, mais elle se moqua d'elle et lui interdit d'y aller. Voilà, donc vous avez une bonne démonstration de ce que fait ce logiciel. Il y a encore la fonctionnalité ClearChat et il vous propose 5 autres comptes. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et n'hésitez pas à l'essayer et à le télécharger. Vous allez voir, il va pouvoir vous générer autant de comptes que vous voulez. Merci à vous. Si ça vous a plu et si vous vous demandez pourquoi la voix d'AutoRead sonne un peu comme Google, Google Maps, bien sûr, bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont probablement utilisé une API similaire. Donc ça, c'est une API locale, donc c'est pas une, ça ne fait pas une API en ligne pour le son. Donc ça utilise votre processeur pour calculer le son qui est censé sortir en lisant. Et peut-être que un jour, je changerai cette voix pour l'améliorer. Je sais pas encore, mais dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci!